Hello, salut tout le monde, c'est Flo. Allez, je vous retrouve dans la suite de Dying Light 2. Bon, allez, dans le précédent épisode, hein, on avait fait la mission secondaire où il y avait des malabars un peu. Enfin, des malabars. Ouais, les infectés un peu spéciaux. Hein. Voilà, donc mutation de taille, donc partie 1 à 4, hein, j'ai fait. Là maintenant, bon, la partie 5, je sais pas où elle est. Tuer les malabars restants, il y en a 10 maintenant, c'est un peu abusé. Mais bon, je les trouve pas sur la carte. Donc bon, c'est pas grave, je vais continuer le jeu normal. Hein. Enfin, le jeu, les missions normales. En attendant de trouver éventuellement cette mission secondaire. Donc j'ai déverrouillé hein, le métro, comme ça je peux faire maintenant des voyages rapides. C'est super pratique. Donc, je pense qu'il doit y en avoir un encore dans cette zone-là aussi, mais je n'ai pas trouvé. Par contre, il y a encore plein de trucs à déverrouiller. Là, j'ai un centre de recherche que je pourrais aller faire. Ou alors, je peux continuer la mission principale. Non. Non, je vais peut-être... ouais, je vais m'occuper là du centre, comme je suis à côté. Centre de recherche, aller récupérer un peu ce qu'il me faut. Voilà, par contre, j'ai vu que effectivement, j'ai gagné 2, 3 trucs de compétences... dans la dernière partie, donc je suis passé au niveau 5, ce qui fait que les zombies sont plus durs à buter à nouveau. Et ce qui veut surtout dire que du coup je n'ai plus de matériel adéquat. Ouh. Ouais, des trucs à deux mains, bon. Voilà. Et j'ai pas mal d'inventaire aussi à les supprimer. Donc ce serait déjà pas mal que j'aille faire un peu le ménage. Et voir aussi si je peux aller améliorer des trucs, hein. Donc, il faut que je trouve un marchand. Marchand, j'en ai là. Le bazar. Ouais, donc on va y aller. Parce que là, il est temps que j'aille faire des emplettes. Ou améliorer un peu mes équipements. Hein. Hop, donc je veux le bazar, moi. Voilà. Je pourrais looter, bon. Ah bah ça va, je vais pas aller loin. Reculons devant rien. Un jour, ils feront exploser le barrage et ils inonderont toute la ville. Ah bah ça va, ils ont de nouveau repeuplé le bazar, c'est bien. T'es là maintenant. T'es quasiment l'un des nôtres. Alors, déjà le marchand. Et ouais, du coup, il va me proposer des trucs de niveau 5. Un bâton historique à une main. Ça coûte 2865 et j'ai plus de fric. J'ai plus de fric. Il faut déjà que je vende un peu tout mon bordel. Donc, on va vendre hein, toutes ces merdes. J'achète 91. Celle-ci en bleu, elle est meilleure que le truc en violet. Bon. Enfin, que les trucs en jaune. Allez, bâton, on va vendre. Donc 74, hein. Putain, ça me donne... Bon, bref, machette, 76, j'ai dit. Ouais, allez, ça, je vais la vendre. Celle-ci, 74, il n'y a que deux emplacements. H reload 92. Bon, c'est pas mal, hein, 92, effectivement. Donc là, c'est l'arme que je vais terminer. Celui-là, par contre, on peut le dégager, hein, 54. Je pense qu'il n'y a plus rien à en tirer. Même celle-ci, hein, niveau 3, de toute façon, 57 de dégâts. C'est plus assez, hein. Alors, machette unique à une main. L'arc, faut pas que je le jette, hein, évidemment. Ouais, je vais vendre, hein. Faut que j'essaye de... Ouais, je vais plutôt vendre celle-là. Ouais, niveau 3, 57, ça fait pas assez de dégâts. Ok, alors, équipement. Ah oui, là-dedans. Là-dedans, faut que je fasse le ménage.
Donc je vais regarder 6,8% de dégâts d'arme, donc celui-là je vais le dégager. Hop, 5,30 dégâge. Gardien de chaque type, à peu près. Hein. Ça c'est quoi? C'est dégâts attaque de parcours. Ouais, bah niveau 2, allez, on dégage. Ça c'est un truc à distance. Voilà. Alors, ensuite, on a ça. Où ça? Moi, je vais garder le niveau 4. Hein. Hop. Là, il y en a deux. Oh, celui-là est mieux, curieusement. Allez, on dégage celui-là. Voilà. Ça, ça me fait déjà plein de place. En plus de me donner du fric. Alors, 6,5. Ouais, ça, c'est la merde. Ça, j'en ai deux. Le violet, parfois, hein, il est moins bien. Bon, après, ça dépend des stats. Hein. C'est vrai que ça change pas grand-chose. Après, je joue jamais avec. Hein, c'est vrai, ces trucs-là. Bon, si je vends 8, je gagne 247. Allez, hop. Ça me rapporte plus d'argent. Je vais en profiter. Allez hop, voilà. Kanchak, c'est bon. Les gilets. Voilà, je gagne 248 si je vends celui-là. Allez. Donc là, j'ai 5% de dégâts d'armes, 4,2. C'est un niveau 4, j'aurais peut-être plus dû le garder. Bon, si je le rachète, il va me le vendre au prix... Ah non, prix normal, je crois. C'était quoi? C'est le torse, hein. 4,2, 64. Acheter 64. Voilà. Donc je vais vendre l'autre plutôt. Ouais, c'est lui que je vais vendre. Je peux vendre celui que j'ai équipé. Ouais, je vais vendre celui-là, voilà. Dégâts d'armes à distance, alors celui-là est pas mal, 8%, alors que l'autre est 4,6. De dégâts d'armes à distance, hein, donc forcément, je vais vendre celui-là. 6,2 de dégâts d'armes. Hop, lui, ouais, il me fait plus de fric, lui. Hop. Ouais, le truc, c'est que je pouvais même plus looter parce que mes emplacements étaient pleins en plus. Vert est pourri. Ah, 7,7% de dégâts d'armes à une main au lieu de 5,1. Bon, c'est pas grave. Je vais le dégager quand même. Bizarre, hein, niveau 4 il est plus pourri. Hop. Oh, ça arrive, je sais pas pourquoi. Voilà. Et les baskets. Ah, 439, je me ferai comme fric si je les vends. Alors, je vais vendre les petites. C'est bon. Et donc les deux là. C'est ça, le niveau 3, il est meilleur. Curieux. Hop. Voilà, 5580, c'est déjà pas mal. Les marchandises, du coup, bah, je crois que je peux tout vendre, en fait, les marchandises. À mon avis, j'ai rien besoin de garder. Hein. Par contre, les objets de valeur, je sais pas si ça inclut tout ça, donc...
Ouais, bah tant pis, je vends tout, hein, on s'en fout. Hop. Voilà, 11 000. Bon, c'est déjà pas mal, 7 000. Ah oui, je pense que c'est effectivement c'est ça. Ça doit être tous les trucs d'hiver là. Bon. Allez, génial. Maintenant on n'a plus qu'à acheter. Donc bâton historique à une main, c'est pas mal à la limite. 102 de dégâts. Alors que lui, oh bah lui c'est de la merde. Les griffes, je peux rien mettre comme, comme mode, donc je vais acheter celui-là. Voilà. Bon, je peux acheter des. Ah, je peux acheter des trucs niveau 5. Mais bon, après je vais les trouver hein, en jouant, donc. Pas trop s'embêter non plus. Voilà, déjà pour toi. Et toi? Alors, acheter, je peux rien acheter, toujours pas de plan. Par contre, je peux améliorer mes plans. Là, ce que j'aurais bien voulu améliorer, moi, c'est... Ah merde, bah, mes plans de soins. Là, voilà. Ouais, valeur des soins 100. Ça, ça y est, ouais. Ça devient indispensable. Faut que je sacrifie 10 trophées, putain. Pas trophée rare. Ok, ça c'est bon. Ah, il me manque un trophée infecté inhabituel. Ah, c'est dommage, hein. Un trophée infecté inhabituel. Ça, je veux pas sacrifier, hein. Ça, on s'en fout. Booster d'immunité pour gagner 5%. Non, ça, je m'en fous. Il me manque... Ouais, le problème, c'est qu'il demande des trophées infectés, merde. Pas trop envie de les gâcher. Parce que j'en ai besoin. Ouais, en fait, faudrait que je trouve plein d'infectés inhabituels pour les buter. Ok, bon. Allez, donc, fabrication. Je vais pouvoir me crafter... Des kits de soins, donc j'en ai 0. J'ai 0 comme ça, mais bon, ça veut dire que j'en ai encore d'autres. Ouais, j'en ai encore 6 anciens. On va garder les anciens, on va les épuiser. Il y a un deuxième marchand. Ah, lui, la merde, il a même pas d'objet en... Péché, il n'a pas d'objet historique. T'as gagné, comment j'aurais pu savoir que j'étais tombé sur des arnaqueurs. M'avait parlé. Lâche-moi un peu, mec. Ok, donc mes meubles à barre, je sais pas où ils sont. Est-ce que je vais faire, moi, c'est celui-là, centre de recherche. Donc je vais aller dans le métro. Voilà, je vais dormir pour qu'il fasse nuit. Dormir pour qu'il fasse nuit et puis ensuite ben je vais simplement aller. Attends, donc c'est où? C'est là. Allez, attendez jusqu'à la nuit. Ah, par contre je peux peut-être récupérer des armes encore dans le sac là. Que je vérifie hein, les armes dues au bonus de précommande hein, du jeu. On va vérifier ça. Oh, massue légendaire à deux mains, putain. De toute façon, je peux le récupérer, hein. Compris dans le bonus, voilà. Machette légendaire, machette légendaire.
sont tout intérêt à tous les prendre. Hein. Voilà, puisqu'il les donne. Et ça aussi. Voilà. Donc du coup, elles sont là dans la planque. 162 de dégâts, celui-là. 89, 92, 92, 89. Bah, c'est les mêmes en fait. Hein. Bon, du coup, je peux les laisser. Hein. 89, 92. Je vais juste en prendre si besoin. Machette légendaire. Hache légendaire. Bon, là, monsieur, je vais la récupérer déjà. Ouais, puis la machette, hop, allez. Puis là, je peux laisser dans le sac éventuellement. Ouais. Allez, on va faire ça. Alors, autre chose que je viens de penser, hein, c'est vrai que ma hache, celle-ci là, l'hache de charcutier, je l'ai bien utilisée dans les fois d'avant et j'ai oublié de mettre des mods pour augmenter son potentiel, hein. Donc, étincelle, activer leur des coups critiques. Ou alors, il y a des effets que moi-même je pouvais activer. Charger avec une attaque et maintenir pour l'activer. Ouais, les modes de puissance. Bon, allez, on va mettre celui-là déjà. Voilà, comme ça répare l'arme. Puis là, il y avait celui-là, le mode brasier. Ou alors un autre mode électrique. Ah, ça charge avec le temps. 3 minutes, je peux activer moi-même le truc électrique. Ou bien un effet de feu. Bon, je vais mettre l'effet brasier. Hop, voilà. Voilà, comme ça, j'ai récupéré un peu son pouvoir destructeur. Alors ça, la deuxième hache de charcutier, je vais plus la mettre, hein, parce que j'ai quand même d'autres armes. Plus de dégâts, notamment celle-ci. Oh tiens, je vais l'équiper, je vais essayer celle-ci. Voilà. Allez, la sortie. On connaît la nuit, hein, c'est bien ça. Ouais, 20h35. Allez, go. J'ai envie d'essayer un peu ce que ça fait. Ah merde, non, il y a 10 hurleurs. Ah merde, pour tout commencer, la loose. Putain, il a bien dégagé ce que. Ah bah tiens, des trophées inhabituels, non? Ah ouais, exact. Ouais, j'ai plutôt intérêt à dégager. Ouais, je viens de faire un combo. Ok. On va changer d'arme. Plus d'endurance, la merde. C'est un peu la misère, hein. J'ai une zone safe par ici. Je vais y aller.
que je vais avoir du mal. Voilà, ça se calme un petit peu. Bon, on va se soigner. Allez, 66, on y retourne. Merde, ensuite. Il est juste devant la porte, la merde. Ah, j'ai des bonus x2, c'est pour ça aussi, ouais, effectivement. C'est pour ça que ça monte vite. Est-ce que j'ai pas un booster, justement, aussi, qui me permettrait de gagner des points d'XP beaucoup plus vite? Par hasard. Effectivement, ils ont donné un booster d'XP. Ah bah non, j'ai pas moyen. Bon, c'est pas grave. On se casse. Faut que j'aille là-haut. Je peux pas monter plus. Je monte là-dedans. Ça va marcher ou si je vais me faire rater? Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, 23 heures dans le jeu. Une interdite. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Il ne devrait pas y avoir de rapace, hein. Juste pour confirmer, j'y suis pas encore allé dans celle-ci. Peut-être que si, mais j'ai encore... des inhibiteurs à récupérer. Je pense que là, je vais pas les dîner, hein, je vais aller tous aller les buter. Ça ira plus vite. Ah, il y a des produits chimiques, merde. Ah, je peux trop m'emmerder à mon avis. Celle-ci. Ah bah dis donc, putain. Je pense que le mode électrique il m'a quand même bien sauvé, hein. On fait du zombie buté. Ah,
C'est bien, je récupère plein de loot du coup. Ok, bon, c'est verrouillé de l'intérieur. Ok, c'était faible. Toujours pas rentré par ici. Okay, je peux aller par là. C'est un spécial. Enfin, c'est un inhabituel. Putain, il y en a encore, ouais. Ça va le faire. Projetage facile. Allez, hop. Un seul inhibiteur, la loose. Moitié de mon immunité. Alors, moitié de mon immunité, mais en plus, ouais, 1h52 dans le truc que je me grouille. C'est toujours accès à l'escalier. On va se soigner. Je veux descendre. Je veux descendre, mec. Hop. Je suis caché. Ouais, ça ne peut pas être possible. Par là éventuellement. Je vais rester là.
falloir une arme beaucoup plus puissante que ça. Allez, on va profiter du répit. 1 minute 10. Allez, très bien. Hop. Voilà. Un inhibiteur. 3h37 dans le jeu, ça va être chaud. J'ai consommé tous mes kits de soins. Ah non, il m'en reste. Hop. Ouais, de un seul truc. Par contre, je vais prendre un booster. Hop, d'immunité, ça vaudra mieux. Voilà. Ah ouais, ça me régénère effectivement bien. Bien. Allez. Oh bah, je vais jamais y arriver là. Et il y en avait un là. Allez, tiens, bouffez-vous ça. Ah, le mode est peut-être après. C'est con parce que j'aurais plein de trucs à récupérer. Ouais. Truc là. Ça j'ai pris, il faut que je continue par là. Truc avant, je crois. Avant qu'ils arrivent. Ok, ça devrait le faire. Je vais en profiter. Ah, il y a un zombie, c'est la merde. Allez, joli, ouvre. Ferme la porte. Voilà. Normalement, il devrait pas ouvrir la porte. Et moi, je vais prendre tranquillou mon truc. Voilà. Ça maintenant. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Je suis tranquille. C'est ce qu'il me faut. Alors le truc, voilà, 5h47 dans le jeu, donc je vais me faire défoncer de toute façon par les... J'arrivais pas à ressortir, hein. Je vais me faire défoncer par les rapaces. Mais bon, je m'en fous. De toute façon, j'ai ce qu'il me faut. Alors, amélioration disponible. Soit endurance, soit santé. Bah, je vais augmenter la santé, hein. Voilà. Alors, inventaire, j'avais chopé... Un pantalon... Ouais, pantalon merdique.
des gants. Des gants, je ne vais pas les utiliser pour l'instant. Et un gilet. Ah, c'est tout, je croyais que j'avais un truc doré. Bon. Par contre, là, ce serait bien, ouais, je sorte. Putain d'armes. Achète dégâts 129. Ça fait même pas assez de dégâts, hein, putain. Enfin, celle-ci, elle fait 92. Ouais, je vais équiper celle-ci. Peut-être lui mettre un mode direct, hein. Je vais pas trop m'emmerder. Un mode de poignée pour faire des plus de dégâts. Je vais en avoir besoin. Ouais, 5h50 dans le jeu. J'ai 322 santé. Je sais que le marteau. Ah bah putain. Je suis trop prêt. Il rentre, tu crois? Dégueulasse. Ouais, ça le bute pas. Tu vois ce que j'ai par contre comme munition? Pêche électrique, incendiaire, toxique. C'est loin pourtant. Voilà, allez. Ah oui, mais il était faible, c'est vrai que je m'amuse, moi, mais. Allez hop, on fait un pec des rares. Putain, sérieux, je vais jamais y arriver. Récupérer les trésors dans les caisses, mais bon. Bon, allez, je vais essayer de me casser comme ça. Quoique, maintenant je pourrais essayer de remonter tranquille. L'heure il est là dans le jeu. 7h34. Parce qu'au pire il y a une zone UV en bas. Je peux toujours essayer d'y aller maintenant. Je vais aller voir les zones toxiques, les coffres. Deux kits de soins militaires. Ah, bonus de nuit.
c'est le chimique. Allez, crochetage difficile. Allez, bien vu. Allez, nouveau des zombies. Il y avait un... Ouais, ça doit être des cristaux. Ouais, il y a des rapaces. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux faire une action avec F. Si je pouvais chercher des stacks poubelles ou des trucs comme ça. Bah, je crois que je suis contraint de traverser la zone. Allez, Aiden, je veux sortir. Allez, bon, j'aurais récupéré ça. Ouais, des rapaces. Donc, je vais arriver à foutre le camp sans me faire buter. Je pense que le jeu a prévu quand même que ce soit possible. Peut-être moyen de les éviter, effectivement. Ouais, du rapace là. On va faire ça pour te casser. Ah, c'est bon. Saloperie ces trucs là. Hein. Oh la vache. Ouais, en tout cas si j'y vais je crève. Hein. Bon allez, on se barre, on s'en fout. Voilà. Oh bah c'est très bien parce que du coup je pense que j'ai de quoi améliorer mon... Ah bah tiens, un moulin ici. Je crois que j'ai de quoi améliorer mon... De nouveau mon kit de soins. Allez, on va faire ça. Je vais rester en bas. C'est bizarre, tiens. J'ai raté mon coup.
Hop, allez. Alors, comment je grimpe là-dessus, moi ? Raté. Putain. À mon avis, il me fallait pas mal d'endurance pour y arriver. Et allez, voilà. Et pareil, elle est pas assignée, pas assignée le moulin encore. Alors, sur une vite reconnaissance du terrain. Bah voilà, station électrique, c'est ça qu'il faut que je... j'utilise. Pour assigner justement quelque chose dans la zone, je crois. Ok. Alors, on va juste aller trouver maintenant un petit marchand pour essayer de mettre à jour mon... Attends, le bazar, il est où? Il est là. Hop. Alors, vous voyez, comme ça, pour mettre à jour mon... de soins, là. Est-ce que j'arrive à passer par-dessus la rambarde ? Tranquille. C'était pas une entrée. Ah, voilà, dans une zone sécurisée, avec du monde. Pourquoi tu souris ? On est bien, hein. Hop, alors est-ce que t'as... Oh, oh putain, sérieux ? Le mec, j'ai un arc historique là, que je peux acheter 3300 balles. Ah bah je vais acheter, ouais, en plus d'une machette. Ça, ils me gâtent les mecs. Forcément, je vais acheter l'arc en priorité. Je peux en acheter plusieurs, sérieux ? Moi j'en ai besoin que d'un, hein. Parfait. Donc, ce serait bien qu'ils mettent une option pour pouvoir... enfin, pour éviter de faire une erreur, quoi. Et de le vendre. Une option pour sécuriser le truc, hein. Alors, massue légendaire à deux mains, bon, en fait... je peux le vendre pour une pièce. De la merde. Par contre, ces trucs à deux mains, je suis franchement pas fan. Les marteaux, ouais. Je vais le vendre, celui-là. Voilà.
Alors l'arc excellent, effectivement. J'avais un arc qui faisait 42 de dégâts, maintenant j'ai un arc qui fait 112, putain. Trop bien quoi, donc je vais vendre mon arc pourri. Voilà. Donc du coup j'ai une super bonne machette, 116. Donc je, voilà, je peux revendre maintenant mes merdes là qui m'apportent plus rien. Bon, j'aurais apprécié qu'ils me vendent plus de machettes que ça, hein. Plutôt que de me vendre un seul arc, enfin plusieurs arcs, j'aurais préféré qu'ils me vendent plusieurs machettes. Ouais, donc ça, ça dégage. 92, voilà. Bon, le 79, du coup, je vais peut-être le dégager aussi, hein. Ah ouais, la machette à lacet plus. Putain, si je rajoute le... Ouais, en rajoutant le mode, alors là, ouais, je basculerai à 130-140. Ok, bon, bah tout ça, je peux garder. Par contre, le... Mon arc, hein, je vais me le mettre là. Voilà, 112 de dégâts, ça, ça va être pas mal. Une flèche, je vais faire 3 fois plus de dégâts, sérieux. Et par contre, le... Pff, ça, du coup, c'est de la merde. Celui-là, là, je vais peut-être lui essayer de... Essayer plutôt avec ça, voilà. Et lui, bah lâche, je vais la... Soit je l'épuise, soit je la revends. Est-ce que je peux la revendre, mec? Peut-être que je peux la revendre au prix de base. Ouais, 206. Bah ouais, plutôt que de la péter. Je vais la revendre et je vais en équiper une bonne. Ah ouais, il faisait quand même tout ça de dégâts. Bon, quoique j'ai encore 41 coups, j'aurai le temps de le vendre plus tard. Voilà. Ah, ce que je voulais faire, c'était améliorer mon truc de soin. Alors, améliorer. Bah oui, avant que j'en crafte un nouveau. J'aurais bien aimé améliorer mes kits. Là, il est là. Donc effectivement, voilà, 23. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour améliorer. D'application 2 secondes, la vache, si je pouvais encore l'améliorer là. 2 secondes là, ça irait hyper vite. Mais hein. Voilà, bon, les médicaments, du coup, comme ça, je pourrais en crafter, ça sera beaucoup mieux. Est-ce que je peux pas acheter des trophées d'infectés par hasard? Non. Par contre, pour créer, pour crafter, qu'est-ce qu'ils ont besoin? La zone sombre, c'est vraiment obligatoire. Donc, j'ai un très bon arc. Et là, maintenant, lui... Ah bah, en fait, il me vend aussi l'arc historique. Bon. Du coup, je pense qu'on pourra peut-être tout le temps l'acheter. C'est quoi ça? Un coup de poing américain, poing aplatisseur. Dégâts pendant la journée, 24% de plus. La vache, là, j'ai une hache qui ferait 101 de dégâts. Après, parce que j'ai pas d'emplacement de poignée, du coup, je perds un gros mode. Une grenade maison. Donc, pour 130, je pourrais avoir des très bonnes grenades. 180 de dégâts. Ça peut être pas mal, hein. Pour faire un peu le ménage. On en acheter une ou deux, allez. Ah bah, que une, du coup. Et toi, par contre, je peux peut-être te vendre un peu de merde que j'ai récupéré. Ok, c'est pas mal. Non mais tu t'écoutes parler des fois. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. Tu peux arranger ça en trouvant un moyen. Bon, je vais juste tester mon arc. Juste le tester un petit peu. T'as pas
contre, ils ont mis un viseur pourri, hein. Ah bon, en plus, c'est du zombie niveau 2. Je crois que c'était pas un zombie. Je crois que j'ai buté un humain. Ah oui, merde. J'ai buté un humain. J'ai buté un humain, je suis désolé. Cherche un zombie. Là, du zombie. Ouais, bon, c'est sûr. Là, ils sont niveau 2. Aide à la visée quand même, hein. Mais c'est relevé, sérieux. Ah non, c'était peut-être pas le même. Ça roule, hop, allez. Ça, c'est la grosse hache. Allez hop, donc je vais juste aller en zone de sécurité. Voilà. Hey Ben, ça fait un moment que t'es là maintenant. T'es quasiment l'un des nôtres. Yes. Voilà. Bon bah sur ce, arrêtez cet épisode là, hein. Voilà. Et puis bah, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Allez, à bientôt. Ciao.